Look. Nana. Ach. Q. Dieu. On relâche. Allez, on va venir tirer un peu sur les jambes. Des tendons d'Achille un petit peu là derrière. Allez, on descend. Et on compte jusque 10. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Look. Nana. Ach. Q. Dieu. Et on change de jambe. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Look. Nana. Ach. Q. Dieu. Et on va descendre un petit peu plus. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Look. Nana. Ach. Q. Dieu. Allez, l'autre côté. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Look. Nana. Ach. Q. Dieu. Et on change de jambe. On va descendre encore un peu plus. Encore une fois, adaptez. Hein, si vous avez des blessures ou des difficultés, adaptez l'exercice. Vous pouvez rester à la même hauteur, aucun problème. Allez, ich, ni, san, chi, go, look, na, ach, q, dieu. Allez, changement de jambe. Aïch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Et on relâche. Allez, on récupère 10 secondes. Le temps de se rhabiller. Ok, ça va? Tout le monde va bien? On enchaîne. Alors, on va revenir. Ok, je vois que j'ai un petit message. Coucou. On va revenir sur un petit exercice qui est intéressant et qu'on a déjà fait. Hein, c'est le shiko. Alors, le shiko à la japonaise, c'est à la façon sumo. Ok? Donc, je rappelle. Écart des jambes. On va venir mettre le poids sur une seule jambe. Ok? Donc, fléchir légèrement. Ramener le pied opposé. Là, j'ai tout le poids qui repose sur la jambe gauche. Monter le genou, ouvrir la hanche. Allonger, descendre, poser. Ok? On essaie de travailler lentement pour bien développer la puissance des jambes. Ok? C'est parti. Prenez le temps et pensez à bien respirer. Ni. Ça. Chier. Go. Excellent exercice pour l'équilibre. Look. Nana. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Q. Dieu.
Allez, deuxième série, je me mets dans ce sens-là. Allez. Aïe. Je suis à peu près. Ni. Ça. Chier. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Allez, troisième série. Aïe. Ni. Sans. Chier. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Ok, quatrième série. H. Ni. Ça. Chier. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Ok, cinquième série. Allez, la dernière. On y va. On lâche rien. H. Ni. On commence à suer, à sentir la puissance des jambes et la fatigue. Ça. Chier. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Yosh, allez, on relâche. Allez. Allez, pendant qu'on prend une petite minute de récup. Alors, on m'a posé une question sur le Hitoli Keiko. Donc, j'avais fait un petit mot, un petit écrit, un petit mot, hein, c'est rapide, sur le Hitoli Keiko. Donc, voilà, Hitoli Keiko, pour la petite explication. Hitoli, c'est seul. Keiko, vous connaissez le mot. Pratiquer, donc pratiquer le seul en fait. La pratique seule, je pense que c'est vraiment un aspect important, comme je l'ai noté, de la pratique des arts martiaux, quelle que soit l'art martial d'ailleurs, pas forcément hein, l'aïkido, hein, on peut parler en général. Et donc, bon, certains arguments ont été émis, voilà. Alors, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, on peut être d'accord ou pas d'accord. Par contre, voilà, je pense que le fait de mieux se connaître, c'est-à-dire. Par la pratique seule, on peut apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître son corps,
à mieux connaître ses capacités, etc., etc. Cela peut nous permettre d'être voilà, mieux avec un partenaire. Et c'est quand même l'idée de l'aïkido, hein, c'est de pratiquer avec quelqu'un, bien sûr. Donc, je pense que c'est deux choses complémentaires et qui sont vraiment intéressantes à travailler. Voilà, c'était la petite parenthèse et c'était pour vous laisser récupérer. Allez, allez, on est reparti. Alors, on va continuer un petit peu avec le jiu. On va travailler, le bas du corps, on va travailler le haut. Alors, on descend, hein, on va garder un petit peu la tension dans les jambes. Et allez, c'est parti, on va venir ici autour du corps. Alors, je rappelle le point important, garder de la mobilité. Garder de la mobilité, ok. Hein, donc, vous voyez, je transfère le poids à chaque fois. Et je respire, voilà. Donc, vraiment le mouvement, essayez de le faire partir de vos pieds, de vos jambes, de votre ventre. Ça, c'est vraiment important. Ok, ça va? Tout le monde suit? Allez, on y va pour une série. Aïe! Ni! N'oubliez pas de bien le transférer. 100. Chi. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Ok, dans l'autre sens. Aïch, deuxième série. Ni. San. Chi. Go. Lok. Nana. Hatch. Que Dieu. Troisième série. Aïe, dans l'autre sens. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lok. Nana. Hatch. Q. Dieu. Quatrième série, on change de sens. Hatch. Ni. San. Chier. Go. N'oubliez pas de garder le niveau, hein, d'accord? Les jambes fléchies. Lock. J'en ai sauté un. Nana. Hatch. Dieu. Dieu. Allez, cinquième série. On change de chance. It's. Ni. Sans. Chi. Go. Look. Nana. Alors, si on n'est pas de bâton, vous pouvez le faire à main nue, hein, il n'y a pas de problème. Hatch. Q. Si vous n'avez pas assez de place, par exemple. Dieu. Allez, une petite dernière série pour le plaisir. Aïch. Ni. On essaie de mettre un peu plus d'amplitude. Sans. Chi. Go. Lok. Nana. Ach. Q. Dieu. Allez, ok. On relâche. Aïe. Allez, petite récup. 30 secondes. Ça va, vous êtes toujours là?
Donc merci à tous, hein, au fait, parce que on a passé la barre des 250 abonnés sur YouTube. Donc un grand merci, hein, c'est super. Merci, merci mille fois. Hein. Top. Ok, alors on continue, Sarah. Exercice suivant. On va garder l'autre jour. Je prendrai le bokken après, ok? Alors, l'idée, c'est d'avoir un bâton, vous voyez, comme un bâton de marche. Très simple, je marche avec mon bâton. Ok, donc, la partie la plus longue se trouve sous la main. Ok, sous la main, vraiment comme un bâton de marche. Vous voyez, je marche avec mon bâton. Et donc, on va venir faire un petit exercice où je vais venir avec le bâton devant moi. Alors attention, hein, on va partir dans le ciel. Le ciel, la terre. Le ciel, la terre. Le ciel, la terre. Alors imaginez par exemple, vous marchez avec votre bâton, vous avez, je ne sais pas, un obstacle, un animal, quelque chose, et vous venez percuter. Hein, d'accord? Ça va? C'est un peu l'idée. Sur l'exercice, on va le faire très relâché. Ok? Pourquoi? Pour pouvoir travailler la mobilité de l'axe vertical. L'axe vertical, je rappelle, c'est l'axe qui passe de votre tête de façon verticale jusqu'au centre de vos pieds, hein, qui passe à l'intérieur de votre corps. Ça va? Hein, simple. Donc ça pourrait être l'équivalent de la colonne vertébrale. Ok? Si vous voulez une image, voilà. Donc gardez de la flexibilité. Vous voyez, l'idée, vraiment, c'est le ventre. Donc, essayez pour voir ce que ça donne. Les pieds sont mobiles, vous voyez. Et surtout les hanches. Vous voyez, j'ouvre ma hanche, je ferme ma hanche. J'ouvre la manche, je ferme ma hanche. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Alors, bien sûr, on peut le travailler des deux côtés. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Pour ouvrir les hanches, ayez les pieds mobiles. Si vous fixez vos pieds, vous allez limiter le travail de votre hanche, donc le travail de votre bras, de votre corps, etc. etc. Vous allez fermer l'amplitude. Ok, donc les pieds sont disponibles. Vous voyez, regardez. Les pieds bougent, hein, d'accord? Ça va, je ne vais pas trop vite. Voilà, et vous voyez, au plus on est relâché, au plus je suis disponible, au plus je peux gagner en puissance et en libération du mouvement, donc en vitesse. Alors l'idée, ce n'est pas forcément d'aller très vite, hein, vous voyez. L'idée, c'est de travailler sur l'ouverture. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Ok, je vous laisse essayer 30 secondes, j'ai un petit commentaire. Ah oui, le plafond. Bon, alors si vous... On peut le faire, oui, effectivement. Vous pouvez le faire avec, avec un couteau, hein, si vous avez... Bon, ça va être moins... Si vous avez un couteau, voilà. Alors, bien sûr, on sent moins l'amplitude du mouvement, d'accord? Sinon, vous rétrécissez un peu, vous voyez, vous prenez votre joue un peu plus bas, ok? Alors, ça peut être un peu gênant sur les manches, mais normalement, si vous êtes relâché, ça passe. Voilà. Voilà. Sinon, votre joue, votre bokken, pardon. Alors, on va prendre le bokken comme un bâton, c'est-à-dire à l'envers, la pointe vers le bas. Ok? Et donc, la même idée. Mobilité, flexibilité, puissance. Allez, on va démarrer avec le bokken. Allez, c'est parti. Aïch! Ni! Simple! Chi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, je change de main, rich, ni, san, chi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, je change de main, rich, ni, san, chi, go, lock, nana, hach, kyu, ju, je change de main, h, ni,
centre, chi, go, lock, voilà, hotch, que, dieu, je change de main, on accélère un peu, itch, ni, san, chi, go, lock, nana, hotch, que, dieu, je change de main, itch, ni, san, chi, go, lock, nana, hotch, que, dieu, plus doucement, itch, ni, san, chi, go, lock, nana, hotch, que, dieu, je change de main, itch, ni, san, chi, go, lock, nana, hotch, que, dieu. Alors, je vais reprendre le jou, et on va le faire à deux mains. Hop, allez, sans pause. Donc, même idée. Et ce coup-ci, on va mettre les deux mains, d'accord? Donc, vous démarrez sur la main gauche, sur la main droite, comme vous voulez. Ok? Alors, ce qui est vraiment important, je rappelle, hein, bien ouvrir les hanches pour permettre la fluidité du mouvement. Donc, j'ouvre la hanche et la hanche va emmener le jo. Vous voyez? Ouvrir, 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 ouvrir. Alors, bien sûr, quand j'ouvre, il y a une hanche qui se ferme. Hein, bien sûr. Logique. La hanche opposée va se fermer. La hanche gauche, la hanche droite s'ouvre, la hanche gauche se ferme. La hanche droite s'ouvre, la hanche gauche se ferme, etc. etc. Ça va? Donc, même idée avec deux mains. Ce qui requiert encore plus de travail d'ouverture des hanches. Ni. Allez, c'est parti pour une petite série. Ni. Ça. Chi. Go. Lock, voilà, hotch, que, dieu, h, ni, san, chi, go, lock, voilà, hotch, que, dieu, h, ni, san, chi, go, lock, voilà, hotch, Q, dieu, H, ni, san, chi, go, lock, nana, hotch, Q, dieu, plus doucement, H, ni, san, chi, go, lock, nana, hotch, dieu, dieu. Allez, dernière série. Itch. Ni. On alterne les mains. Ni. San. Chi. Go. Look. Nana. Hatch. Que. Dieu. Allez, ok. Allez, petite récupération. Ok, exercice suivant, on va prendre le ken. Je rappelle pour ceux qui auraient un beau couteau, voilà, école Kashima, donc on travaille avec des armes lourdes pour justement aider au relâchement. Hein, c'est le but. Donc, avoir une arme lourde oblige, à force de répétition, à relâcher. Hein, sinon, voilà, on tétanise. Alors, au début, bien sûr, on tétanise. Hein, et avec le temps, on comprend que la gravité nous aide, vous voyez? La gravité nous aide. Donc, travailler avec la gravité. Ok, alors, on va revenir sur Kesageli, hein, puisque c'est vraiment le fondamental de l'école Kashima. Donc, je rappelle, coupe en diagonale, ok? Coupe en diagonale. Carotide, hanche. Comme si vous suiviez le doggy. Alors aujourd'hui, donc je vais couper. Je démarre épaule droite, je coupe.
Ok. On va revenir du côté de l'épaule droite, changer de jambe, épaule gauche. Revenir, épaule gauche, passer derrière, épaule droite, changer de jambe, couper. Revenir, couper, revenir, couper. Donc à chaque fois, je change de jambe. Ça va? Je ne vous ai pas perdu en route. Donc, je fais la même chose sur cet angle-là, Couper, revenir, bien ouvrir la cage thoracique, changer de jambe. Couper, revenir, bien ouvrir la cage thoracique. Couper. Donc, vous voyez, la jambe arrière revient devant. Pied joint. La jambe qui était devant passe derrière. Donc, globalement, on revient toujours au même point, vous voyez. Ça va? Ce faisant, on va garder une bonne tension dans les jambes. Donc, travailler fléchi, hein, bien bas. Gardez le travail des jambes, bien sûr. Allez, c'est parti tous ensemble. Aïch! Ni! San! Chi! Go! Lok! Nana! Ach! Kyu! Dieu! Deuxième série. Aïch! Ni, sa, chi, go, lok, nana, hach, kyu, dieu, troisième série. Hach, ni, sa, chi, go, lok, nana, hach, kyu, dieu, quatrième série, haich, ni, sa, chi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, haich, sixième série, ni, sa, chi, go, lok, nana, hach, kyu, dieu, septième série. Aïch, ni, san, chi, go, lok, nana, aïch, kyu, dieu, neuvième série. Aïch, ni, sa, chi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, aïch, ni, sa, chi, go, lok, nana, hach, kyu, ju, dixième série, hach, ni, san, chi, go, lok, nana, hach, kyu, dieu, hach, onzième série, ni, san, allez, chi, go, lok,
vas-y, allez, aïch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nala. Hatch. Tu. Tu. 13e série. Aïch. Allez encore. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Voilà. Hatch. Dieu. Dieu. 14e série. Aïch. Allez. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Voilà. Hatch. Dieu. Dieu. Allez, dernière série. Hatch. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Voilà. Hatch. Dieu. Dieu. Et on lâche. Pensez à bien respirer. Pensez à bien respirer. Je me rhabille. Ok, ça va. Je ne vous ai pas perdu en route. Ok, encore une fois. Hein, donc après, vous pouvez adapter l'exercice, le rythme, la longueur, hein, selon vos possibilités. On peut être blessé, on peut être fatigué, on peut être en forme aussi, hein. Vous pouvez faire 10 de plus pendant que je parle, pas de problème, ok. L'essentiel, c'est d'écouter, d'être à l'écoute, donc bien sûr, de sortir quand même de la zone de confort, hein, sinon on ne travaille pas vraiment, mais voilà, où place ton curseur, donc ça c'est à chacun de voir, selon voilà, la journée, l'époque, etc., etc., ok. Alors, on continue, on va venir sur un petit travail complémentaire par rapport aux séances précédentes sur Kulai Dachi. Ok, Kulai Dachi, je rappelle, cinquième mouvement de la première série. Cinquième mouvement de la première série. Aïe hein, ok, ici, je vais venir casser l'attaque du partenaire en protection. Ok, donc encore une fois, c'est un mouvement circulaire qui part du ventre. Aïe. Et on finit sur Kesagiri. Ok, donc on va juste travailler la première partie du mouvement, Kulai Dachi. Je fais dans ce sens-là, donc jambe droite. Ok, pensez à bien être dans le cercle. Ok, le cercle. Aïe. Ok, ça va? Alors, on l'avait déjà vu dans les séances précédentes, celle d'avant et celle d'avant. Ok, on va faire une petite série comme ça, pas très longue, et on va faire un petit enchaînement sympathique. Ok, allez, c'est parti. Aïe! À chaque fois, je me remets en position. Ni! Ça! Chi! Go! Long! Nana. Hatch. Q. Dieu. Première serre. Deuxième serre. Hatch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hatch. Q. Dieu. Troisième cercle. Aïch. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Nana. Aïch. Que. Dieu. Quatrième cercle. Aïch.
ni sa chi go lok nana ach que dieu. Allez, dernière série. Aïch ni sa chi go lok nana aïch dieu dieu. Et on relâche. Allez, petite récupération, 30 secondes. Pensez à vous hydrater, hein, il fait chaud. En tout cas, dans le dojo, il fait chaud. Donc, pensez à boire. On a un beau soleil, donc c'est sympa. Alors, pendant que vous récupérez un petit peu, je vous explique. Donc, on va travailler sur Shiokini, coupe dans les quatre directions, pardon, à partir de Kulai Dachi. Alors, on démarre, jambe droite. C'est l'exercice qu'on vient de faire. Je coupe. Aïe, Kulai Dachi. OK. NK, donc 180 degrés. Mon arme passe à gauche. À gauche. Et je coupe. Aïe. OK, ça va. Je recommence. Je vais faire dans ce sens-là. Donc, jambe droite, Kulai Dachi. Aïe. 180 degrés. Mon arme passe à gauche et je coupe. Aïe! Ok, alors on pourrait le faire la coupe directement sur le deuxième mouvement, mais pour l'instant je décompose, hein, puisque c'est un peu difficile. Donc c'est un petit exercice préparatoire sur un kata, ok? On verra peut-être ultérieurement. Jambe droite, coupée. Aïe! NK, 180 degrés, placer son arme, coupée. Aïe! Gardez de la mobilité au niveau des jambes, hein, ok? Ça va, je ne vais pas trop vite? Alors, tant qu'il n'y a pas de commentaires, je pense que ça va. Hein. Ok, alors, on va faire une petite série de 25. Comme ça, on peut enchaîner sur l'exercice complet. Là, on a fait la moitié de l'exercice, ok? De la forme de l'exercice. Allez, c'est parti. Allez! Change d'angle. Aïe! Ni! Ça! Chi! Go! Lock! Nada! Ok, donc là on a fait l'exercice avec NK, ok, 180 degrés. La même chose en Shiokini, donc 180 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 90 degrés. En gardant la jambe droite, ok, une fois sur deux. Alors, je montre. Aïe!
Ok, voilà. Donc ça, c'est le mouvement de base. C'est la forme de base, l'exercice de base. Je vais changer d'angle. Donc, jambe droite. Right. Je coupe. Un cas, donc 180 degrés. Mon arme passe à gauche. Je coupe. Right. Ok, jusque-là, tout va bien. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mon arme va passer à droite, toujours en passant au-dessus de ma tête. Et là, jambe droite, 90 degrés, descendre son arme. On reprend à chaque fois, kamae, ok, là, la garde, on prend à chaque fois la garde. Coupé, aïe, 180 degrés, on passe au-dessus de la tête à chaque fois. Reprendre la garde, coupé, aïe. Voilà, ça c'est le mouvement de balle. Alors, vous aurez remarqué que quand on est à gauche, la coupe n'est pas facile. Vous voyez, hein, puisque j'ai la main droite devant. Donc, vous voyez, ça va vous obliger vraiment à travailler l'ouverture des hanches. C'est vraiment un exercice intéressant. Si vous n'ouvrez pas la hanche pour couper, on n'a pas d'amplitude. Vous voyez, on est gêné. Donc, j'ouvre. Hein, travaille sur la circulaire, vous voyez. Ouvrir, allez ! Et couper. Hein, donc, ouvrir la hanche. Pour ouvrir la hanche, on a des articulations disponible. Orteil, cheville, genou, hanche. Voilà, ça communique. Allez, c'est parti. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Tranquillement. Allez, petite série tous ensemble. Aïe. 8. 5. 6. Go. On continue. Deuxième série. Aïch. Ni. Sa. Chi. Go. Bloc. Nana. Aïch. Que. Cinquième série. Allez, la dernière. Aïch. Ni. Ça. Chier. Go. Bloc. Dieu.
Allez, pensez à bien respirer, encore une fois. Hein. On récupère, on respire. Je vous conseille de marcher pendant la récupération, hein, récupération active. Donc, continuez à vous déplacer, continuez à marcher, continuez à bouger. C'est important, quel que soit l'effort physique, hein, encore une fois. Ok, ok, ça va? Alors, je vois que l'heure tourne un peu. Alors, pour finir le cours, on va enchaîner un petit peu sur la deuxième série. On avait démarré un petit peu la semaine dernière, ok, avec, pardon, je suis hors cadre. Donc, avec le premier mouvement de la deuxième série et le quatrième mouvement de la deuxième série. Et là, vous allez comprendre le but de l'exercice précédent. La base, c'est Kuladachi. C'est ce qu'on a fait. C'est le cinquième mouvement de la première série, d'accord? Aïe! C'est ce mouvement-là, d'accord? L'importance de travailler la première série, c'est qu'elle va vous structurer. Elle va structurer votre pratique pour toutes les autres séries, puisque dans la première série, vous avez les kihons, la base, les fondamentaux. Alors, on traduit ça comme on veut, mais voilà. C'est les mouvements, on va dire, qui sont, entre guillemets, constructeurs, vous voyez, constructeurs, je ne sais pas comment dire, qui vous permettent de vous construire la pratique. Je fais souvent le parallèle avec la gamme en musique. Ok? Donc, la première série, on la bosse, c'est vraiment important. Et vous allez voir, une fois que vous avez bien bossé la première série, les autres séries, même s'il peut y avoir des spécificités techniques et de mouvements, mais vous retrouverez les mouvements de base. Peut-être sans vous en rendre compte, mais les mouvements sont là. J'arrête de parler. Allez. Alors, on va revenir sur Kuladachi. Ok, donc jambe droite. Aïe. Et je vais venir sous le sabre. Jambe droite. Aïe. Ok, je change d'angle. Jambe droite. Aïe. Et je viens sous le sabre. Allez, jambe droite. Ok, ça va? Allez, c'est parti, tous ensemble. Je vais rester sous cet angle. Allez. Allez, petite série. Aïe! Je me repositionne à chaque fois. Ni! Troisième série.
Chier. Go. Bloc. Nana. Ach. Ok, on récupère. Pensez à respirer. J'ai un petit commentaire. Merci Marie. Ok, ok. Alors, même chose. Donc ici, on vient contrôler le poignet gauche du partenaire. Ok, on va faire la même chose. Quatrième mouvement de la deuxième série, on va venir contrôler le poignet droit du partenaire. Ok, donc poignet droit du partenaire, jambe droite, projetez, inversez son arme. Jambe droite, projetez, inversez son arme. Et se relever. Ok, je vous laisse essayer tranquillement. Jambe droite. Projeter, inverser son arme. Et se relever. On vient contrôler le poignet droit du partenaire. Ok, ça va? Allez, tranquillement, une petite série. Allez! On reprend la position à chaque fois. Allez! Ça. Chier. Go. Bloc. Nana. Deuxième série, on continue. Allez, on finira là-dessus. Encore deux séries. Allez, on lâche rien. Allez. Allez, bien descendre sur les jambes. Ni. Prenez le temps de vous asseoir dans votre position, entre guillemets. Ça. Les bras près du corps. Attention, n'écartez pas les coudes. Go! Bloc! Allez, on lâche rien. Nana! Dernière série. Allez, on y croit. Allez, allez. Et on respire. Ni. Ça. J'ai.
encore de mouvement. Qui? Allez, on lâche rien. Last. Qui du? Allez, gâteau, gozaimashita. Allez, petit salut Kashima, pieds joints. On descend sur l'axe. La main gauche sur le genou gauche. On salue. La pointe vers le sol. On va passer son arme sur sa jambe gauche. La main gauche passe au-dessus. Attention au sens de la lame. Je me relève. Je recule de 3 pas. Je passe mon arme à droite et je salue. Arigato gozaimashita. Allez, merci beaucoup. On va finir sur un peu de relaxation et de d'étirement non contraignant. On va démarrer avec un petit travail au sol, comme d'habitude. Donc, je roule tranquillement. Je vais venir approcher les genoux du torse, poser la tête et le mouvement de balancier, de la gauche à la droite, de la droite à la gauche. Et on respire. Allez, pensez à bien respirer. Ok, on va libérer les mains. Donc là, j'avais les poignets tenus. Maintenant, j'ai une main sur chaque genou. Ok, je vais mettre face caméra. Ça sera peut-être plus évident. Et donc, vous voyez ici, je vais accentuer le poids du genou vers le torse, comme si je voulais ramener mon genou vers ma tête. Tout ça en respirant et en adaptant la puissance du mouvement. Ok ? N'oubliez pas, on sort de la zone de confort, mais on garde la sécurité. Petit à petit, je vais un peu plus loin vers l'extérieur en soufflant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ok, je vais abandonner le genou extérieur avec ma main, vous voyez. Et je vais complètement m'enrouler. En essayant de bien sentir le bas du dos et la décontraction du bas du dos. Allez chercher les sensations, écoutez votre corps. Au besoin, appuyez un peu votre mouvement. Vous voyez, là, je pompe un peu parce que je sens que j'ai un passage un peu difficile sur ce côté-là. Et je vais, en pompant, aller chercher la profondeur. Allez, ok. On enchaîne. Allez, alors, on va passer sur le papillon. Donc, je rappelle un exercice Makuro que les sumo Tori pratiquent quotidiennement. Méthode inventée par un grand maître de Shiatsu japonais. Je vous invite à trouver les documents. Donc, Makuro, vous pouvez avoir les schémas des postures sur mon site internet ou sur ma page Facebook. Sinon, je remettrai les liens en commentaire sous la vidéo, d'accord? Donc, je rappelle, souffler, descendre, garder la rectitude, ok, du rachis, hein, pas de dos rond, maintenir, inspirer, recommencer.
Inspirez. Expirez. Alors, une variante de l'exercice, c'est de le faire les bras croisés, posés sur les genoux. C'est une variante. Les sensations sont différentes. Voilà. Deuxième exercice, main courroux. On va venir chercher l'écart facial. Voilà. Est-ce qu'on voit? Oui. Je recule un peu. Voilà. Ok, alors encore une fois, adapter l'exercice. Hein, l'essentiel est d'avoir la sensation d'étirement légère. Ok. Si on peut, on descend. Ok. Dernier exercice, on va ramener la jambe à l'intérieur. Gardez le pied à l'extérieur, donc côté opposé, ok, par rapport à l'entrée, hein, du côté du genou est arrivé, du pied est arrivé, hop, et on va venir attirer le fessier. Pour ceux qui peuvent, on peut se redresser. Ok. Voilà, moi je ne le fais pas. Encore une fois, j'adapte mon mouvement. Vous voyez, j'ai des problèmes de dos, hein, donc j'adapte le mouvement. Je conseille aux personnes qui ont des hernies, par exemple, en bas du dos, ou des tensions trop fortes, de garder le corps, la tête vers le sol. Ok. Pour éviter d'avoir trop de contraintes. Ok, on change de jambe. Allez, ok. Et pour finir, un petit exercice sur le mur. Alors, le travail des armes peut amener un peu de tension dans les épaules. Donc, c'est intéressant et important de travailler également la relaxation des épaules. Donc, on va venir ici faire une croix, okay, le plus près possible du mur. Et je vais venir m'enrouler, sentir l'extension de l'épaule. Voilà, sans exagération. Zone de confort, un peu plus de la zone de confort, mais en sécurité. Relâcher. Aller chercher de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, là, mais bon. Voilà. Voilà. Essayez de garder la moitié du corps collé au mur, vous voyez. Inverser. Et quand je sens l'extension au niveau de l'épaule, je maintiens. Je souffle. Quand je suis en fin de cycle expiratoire, inspirez, changez d'épaule. Au niveau des pieds, vous voyez, hein, soyez libre, encore une fois, soyez libre de vos appuis. Si vous avez besoin de bouger vos pieds, bougez vos pieds. Allez, ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine, 18h30. N'hésitez pas à partager l'événement, les vidéos et à mettre le petit pouce bleu qui va bien.
ça fait plaisir et ça nous permet aussi peut-être de toucher plus de gens dans cette période si particulière. En tout cas, merci beaucoup, puisque aujourd'hui, on est à plus de 250 personnes sur YouTube. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Allez, arigato gozaimashita. À la semaine prochaine. Bon pied, bon oeil. Merci beaucoup. Allez, mata yoroshiku onegai shimasu. Bye bye. Merci. Merci.